Une foule indisciplinée s'est massée devant la New Court House ce matin. Plus de 500 partisans du MSM se sont mobilisés pour soutenir le leader Pravin Jugnauth. Les avocats, les parlementaires, les ministres et les proches du leader MSM ont dû jouer des coudes pour avoir accès à l'intérieur de la cour. Sur fond de bousculades et d'injures, la foule scande « Pravin nous fichait Premier ministre ». Dépassée par les événements, la police a appelé du renfort. Des membres de la SSU ont été mandés sur les lieux pour calmer cette foule incontrôlable. Trois journalistes ont été agressés lors de cette bousculade. Ce qui a poussé le chief whip Mahen Jogru à condamner cet acte. Les tristes qui nous trouvaient dans mon gros les bras. Vous sympathisez avec ce man journaliste qui finit blessé là. Nous, car rassureux comme un dirigeant moi-même, c'est pas du monde MSM. Les hommes en uniforme et les bras droits du MSM ont pu ramener à l'ordre les sympathisants avec beaucoup de peine. Pendant que la tension était palpable, Pravin Jugnauth et son épouse Kobita vivaient un grand moment de suspense insoutenable. L'ex-ministre a passé plus de 5 heures en cour. Le couperet est tombé à 16h48, 12 mois de prison pour Pravin Jugnauth, ce qui a jeté la consternation dans le camp du MSM.